Salut les amis, c'est MM Simulator. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une petite ouverture de colis, comme je vous ai dit, j'avais commandé une nouvelle display en fait Pokémon. Et la voilà, en fait, elle est juste là, ici présent. J'espère que le son est bon. Normalement, il est bon. On verra bien. Donc voilà, donc ça va pas être très long. Je vais juste vous ouvrir le colis, vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais c'est comme la dernière en fait, il n'y a rien de plus spécial. Donc on va commencer de suite. Tac, voilà le truc. Putain, rien de spécial. Hop, donc j'ai pas trouvé de banc. J'ai plus beaucoup de batterie dans la caméra, donc va falloir faire vite. Donc le petit couteau. Donc là, je tourne avec un nouveau trépied, en fait. Un nouveau trépied, une nouvelle barre à selfie. Assez cool, je dois dire, puisque je l'aime bien. En fait, j'ai payé ça 24€ en promotion chez Carrefour. Pour pas citer de marque. Je m'en fous au final. Hein. Je l'ai acheté. Donc tac, tac. Et voilà. Oh! Donc je l'ai commandé sur le site de Parkage. Donc qui est un magasin à Paris, donc un petit truc publicitaire. Ok, donc emballé dans du papier machin. Hop, et voilà la display. Et là, c'est marqué en français cette fois. Donc comme vous voyez, tac, c'est en français de partout. Donc je vais vous faire l'ouverture durant le mois de février. Février, mars, avril peut-être, on verra. Donc ou peut-être je la ferai soit en deux fois, soit en quatre fois, trois ou quatre fois, je sais pas encore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis on se retrouvera dans les ouvertures ou dans une nouvelle vidéo, et j'espère vous revoir. Donc re les amis, donc nous voilà, là je suis encore avec la barre à selfie, donc vous devez vraiment voir pas mal de choses. Hop, attends, on va mettre encore un petit peu, voilà. Donc voilà, vraiment beaucoup de choses, parce que là en gros, normalement, si je me trompe pas, la caméra est à 1m60, un truc du genre, donc ça fait quand même pas mal de distance, ou 1m, je sais plus, 1m20 je crois. Ben, en gros, c'est entre 1m20 et 1m60, donc vraiment, j'ai pas payé ça très cher. Cette barre à selfie, je l'ai payé 20€ au lieu de 50, 24€ au lieu de 50, donc je trouve ça très bien. Et pour faire des vidéos comme ça, ça passe, c'est plutôt cool en fait, pas très cher, c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était pas très longue, et c'est un peu l'intention parce que j'aime pas trop faire des vidéos trop longues, vu que j'ai pas une connexion au top et que en plus. Comment vous dire ça, en gros je suis obligé d'aller ailleurs que chez moi pour avoir une bonne connexion, parce que en gros chez moi je suis obligé de passer 2 jours pour mettre une seule vidéo d'un giga, alors que là où je la publie actuellement j'en ai pour 20 minutes. Donc il y a une petite différence quoi, entre 20 minutes et 2 jours, voilà, une différence de 24 heures quoi, même plus, bien plus, 48 heures. Donc oui, c'est vraiment énorme. Salut les amis, donc on se retrouve pour la suite. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de batterie, de son, de mon micro, etc. etc. Donc voilà, donc c'était une petite ouverture tranquille. J'espère que cette ouverture vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à t'abonner et puis à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Parce que voilà, ça fait plaisir, hein. On va pas se leurrer. Hein. Je pense que tous les youtubeurs aiment avoir un j'aime, hein, plus qu'un j'aime pas. Donc voilà, que vous dire de plus. En fait, au final, je peux accrocher ça à la ceinture si j'y arrive. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera dans le prochain épisode. Et puis voilà. Oups, pardon. Par contre, vous avez peut-être dû voir plus le sol que moi. Mais c'est pas grave. Voilà, donc je voulais vous souhaiter à tous de passer un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, je vous dis à la prochaine. Là, peut-être que c'est pas très bon. Comme ça, c'est mieux. Hein? Donc, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. C'était MM Simulator.